Le département géodésie de l'IUT de Montpellier 7, c'est 25 enseignants, 270 étudiants chaque année, avec 140 diplômés, Bac plus 2 ou Bac plus 3. Pour un diplômé géodésie, de nombreux débouchés, tant sur les domaines, l'aéronautique, l'automobile, l'électricité industrielle, tertiaire, le grand secteur des énergies, énergies renouvelables. On va pouvoir aussi lister de nombreux métiers, techniciens de bureau d'études, techniciens de mesure, commercialisation des produits, certification, bureau d'études, dessinateur. Donc nous proposons un BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, qui est un diplôme en 3 ans. À l'IUT Montpellier 7, nous proposons 2 parcours, un parcours électronique et système embarqué, avec des enseignements orientés courant faible, électronique analogique, traitement du signal, circuit programmable, et un parcours électricité et maîtrise de l'énergie, où là, nous allons plutôt nous intéresser à des courants forts avec des enseignements plus orientés électricité tertiaire ou industrielle. La scolarité va contenir au moins 24 semaines de stage et de nombreux projets. C'est une force pour nos buts. Nous proposerons également à partir de la deuxième année des possibilités d'alternance. Au département, nous avons 4 licences professionnelles, toutes en alternance. La gestion efficacité énergétique du bâtiment, la chargée d'affaires en ingénierie électrique, l'organisation des systèmes et sûreté dans l'industrie, option maintenance industrielle, et enfin, une licence pro, système embarqué. Toutes ces licences professionnelles sont accessibles à Bac plus 2. Le but étant professionnalisant et diplômant à Bac plus 3, les diplômés pourront soit s'insérer sur le marché de l'emploi ou alors poursuivre leurs études en école d'ingénieur, master ou d'autres formations.